Alors oui, je te confirme à 100%, GTA 4 est plus mature que GTA 5. Pour te prouver, là, je viens de le finir. Bon, j'ai été scotché dessus 4, je l'ai fini en quoi? 3-4 jours. Donc ouais, j'ai bien geeké, j'en ai profité des fêtes de fin d'année pour me remettre sur des jeux comme ça old school, me remettre dans l'univers qui pour moi, et ça c'est un putain de GTA, comme je t'ai dit lors de ma précédente vidéo, de l'or en barre, ces putains de jeux, tu vois. Donc là j'en profite, j'ai que 15 minutes, hein. Comme tu le sais j'ai un strike, donc je veux pas pouvoir faire plus que... Voilà, donc je vais parler de jeux durant ces 15 minutes tout simplement à la cool, et à partir de mai on pourra refaire des longues vidéos de plus de 15 minutes. Tu vois, c'est comme ça. vidéo qui arrive à 17h dans mon setup gaming ghetto. Regarde ma chaîne, ça va arriver à 17h. Donc le jeu est bon, le jeu est lourd, le jeu est mature, t'as des décisions à prendre, qui je dois buter, ce que je dois faire. Dans le 5, si par centime, seule seconde, ce genre de truc. Ce qui est plus que dommage. Le 5 est beaucoup trop facile à finir. Il est peut-être long, comme je dis, il est peut-être impressionnant en activité, tout ce que tu veux. Mais c'est pas du GTA 4, putain. Bon, tu pourras jamais faire du GTA 4. À moins que tu veux revenir aux sources. Mais quand tu veux t'élargir, que t'es un grand public, tu passes le 5, après tu vas pas... J'ai peur pour le 6. Honnêtement, j'ai vu l'ampleur que le 5 a pris. Moi, j'ai peur pour le 6. Je veux pas un jeu random ou la vie remonte, tout ça, tu vois. Le 4, bon, c'est vrai que le 4, il est pas très très difficile. C'est vrai que San Andreas, pour moi, San Andreas, c'est un des plus difficiles des GTA que j'ai fait. Tout simplement parce que je l'ai pas fini, San Andreas. Malheureusement, sur PS2, j'avais pas pu le finir. Il était assez long, j'avais pas compris tous les mécanismes du jeu. Le San Andreas est sur PS4, avec le simulateur là qui s'est mis PS2. Il est à 15 €. Maintenant que je viens de finir le 4, j'hésite. À voir si je vous proposerai pas du San Andreas, mais bon, ça m'étonnerait parce que je suis pas un pigeon. J'ai déjà payé le jeu PS2. Je vais pas le racheter sur PS4 à 15 € pour un jeu PS2 que je possède déjà, tu vois. Donc, faites un effort, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était tout le jeu. Et j'espère que le 6 sera dans la même couleur que le 4. Tu vois, là, l'univers, il est sombre, il pleut, il y a de l'orage. Dans le 5, putain, il n'y a jamais d'orage, il n'y a jamais de pluie. Enfin, pour ma part, je ne l'ai pas ressenti comme sur le 4, tu vois. C'est pas le même univers, c'est pas le même délire. Moi, je veux un univers comme sur le 4. Le 4, l'univers, il me plaît. Tu vois, il est sombre, un peu dark. Tu prends des décisions, tu choisis. Voilà, ça, c'est un GTA comme je les aime. Je te le conseille, si tu ne l'as pas fait, que tu commences sur PS4, que tu as une PS3, fais ce putain de jeu, tu vas pas regretter, GTA 4 est lourd. Voilà, c'était tout. C'était tout pour moi. À bientôt.